Ah mais oui, putain. Ouais, c'est la bibliothèque. Tu te souviens de ton téléphone ? Non mais si j'ai une lame bizarre, on peut faire une bascule de char sympathique. C'est vrai, c'est vrai. Personne. Non, on s'en fout. Non. On a un tireur mini non plus. Ah non, je prends un 416 si tu veux. Non, mais c'est pas un... Ah oui, c'est okay. Alors okay. Ouais, c'est ça en plus. Ouais. Ok. Donc pour tous, on va sauter en halo. Rendez-vous, position rendez-vous à côté de Magos. Donc on reste discret, on ne va pas à Magos parce que ça a beau être signalé abandonné, je n'ai pas moyen. Donc approchez-vous discrètement et on rendez-vous au niveau de la petite église qui est juste à côté. Au point rendez-vous, marqué RDV. Ok, d'accord. J'interviens dans le briefing à ce moment-là. Là, pour tous qui n'ont pas l'habitude de sauter parce que c'est de nuit. Regardez bien comment est fait la côte pour pouvoir repérer le point de la base de Magos et un des points visibles des poules. Hein. Ensuite, quand on se rapproche, vous verrez la lumière de la centrale électrique, on n'aura pas beaucoup. N'hésitez pas à tirer le parachute trop tôt. Genre à 4000 mètres, le temps de pouvoir corriger le tir selon vous tentez. 4000 mètres, oui, non, mais attends, vous allez tous le tirer à 200 mètres, donc vous allez être à 20 km de l'objectif. Non, mais... 2500 c'est pas mal. Bah si vous voyez où vous êtes, vous pouvez tirer à 500 mètres sans souci. Si vous voyez pas où vous êtes, tirez tôt et comme ça vous avez le temps de réfléchir. Avec mon arme à 300. Ok. Oui, bon, je pense même que tu peux tirer à 80 avec les systèmes que tu as. Bah, les groupes c'est quoi alors? Donc les groupes c'est Uber, qui est composé de Loïdi et de Romain, qui ont la permission d'aller taper Alpha 10 avec le maître chien et le. Et le chien. Le tactical. Et voilà, c'est après. Donc vous allez mettre en position, taper Alpha 10 dès que vous pouvez. Donc on va tous se rejoindre au point rendez-vous. On a normalement au point rendez-vous, vous allez direct vous mettre en position et vous tirez dès que vous pouvez. Vous restez en position 10 minutes. Je nous donne 10 minutes pour accomplir l'objectif sur Alpha 11. Donc à partir du moment où vous avez tiré, vous notez l'heure, 10 minutes, 10 minutes après vous dégagez. Vous dégagez et vous faites mouvement sur golf. Donc vous avez de la trotte, vous êtes chargé, donc 10 minutes, je veux que vous dégagiez parce que vous allez être les plus lents et vous partez les plus tôt. Non pas là. Non. Ça sera sur golf, le VFP. Ok. Deuxième groupe. Deuxième binôme, Rico et Antar. Oui, c'est deux binômes sur l'Alpha 12. Donc vous, à partir du point rendez-vous, vous avez 3 minutes plus 10 minutes à peu près, vous avez 13 minutes pour miner Alpha 12 et vous mettre en position pour taper Alpha 12. Donc on ne sait pas combien de temps va mettre le T-35 à arriver, mais si on commence le feu, je dirais à plus 5 minutes. Il n'arrivera pas à mon avis avant plus 15. Donc vous allez être relativement léger une fois que vous aurez posé les charges. Ouais. Vous allez être les derniers à dégager dans votre. Ok. On se mettra au-dessus d'une barre. Non. Ouais mais si vous avez la porte. Vous êtes dans le noir, ils vont aller le voir. Nico, je propose que sur le point Alpha 12 au-dessus, si tu vois un peu au nord-est, t'as des cailloux et une maison, on s'installe là-haut pour observer bien la trajectoire Alpha 12. Et bien vous mettez tout le temps qu'on rend une coupe. On passera en restant à couvert. Non mais c'est pour avec 200 mètres dans les cailloux, vous êtes près de lui, sans y aller, vous avez jamais. Ok, on garde. Ouais. Ouais, donc vous êtes des côtés, vous avez des coups de chair, des oui, oui, oui. Alors, c'est ça. Il y a un point de couverture. Ouais, ouais. Non, pas de bien, ok, sinon tu restes. Donnez-moi une. En fait, c'est ça, moi,
Golf. Lac, lac. Et c'est tout. Point de ralliement en fin de semaine après avoir percuté le temps pour rejoindre les. Alors, on va faire ça, on va faire ça en live. Donc, on prend rendez-vous, nous on part. On attend d'entendre. Bah non, on n'entendra pas les coups de feu. On attend le feu vert de Alpha 10. Bah, le feu vert, c'est simple, hein. C'est extinction de lumière sur Alpha 1, c'est le départ du premier tactical. On attend un petit peu et on regarde si l'infanterie dégage de la zone parce que pour qu'on ait plus que quelques unités à faire. Alors juste pour bien comprendre, Alpha 10, il va faire quoi? Il va couper le courant sur Alpha 11? Correct, il va éteindre la centrale électrique, donc nous on va pouvoir jouer le Ghost. Et donc sur Alpha 11, on y va? Non, il y a un générateur électrique qui va venir par-dessus, vous allez pas pouvoir le louper. Quand vous approchez, vous avez une action, éteindre le courant, je ne sais pas, quand vous avez une action, vous pouvez vous cliquer sur celle-ci. Ça aura pour ça éteindra le courant sur notre objectif. Ok, donc calibre 2, vous pouvez faire F2 prêt à tirer et l'autre le place tout de suite et qui est prêt à aller taper le générateur. Je vois aussi. Du coup ça. On va mettre 3 km sur ça. 3,1 pour l'en plus. Pas ok, donc on y va. C'est parti. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est allez, rentre colonne derrière le V4. Le cap pour rejoindre la côte, c'est sud-est. Est-ce que c'est copié pour tous? Copié de Vlac. Copié d'un coup. On remet le copié. Où là? Isolé dans la verte, c'est le point qu'on cherche. Sur sa gauche, vous avez deux points isolés. Sur sa droite, éloigné, vous avez trois petits points. Et encore plus à droite, vous avez un énorme tas de points qui est la ville, il faut surtout pas aller. Correct, et je vous rappelle de ne pas survoler la centrale électrique. Erico, si tu as le temps, tu peux chercher, il y a un gros bateau pour jouer. Je vais ouverture 2500 mètres. De raid visuel centrale électrique 2000 mètres. Affirmatif, Antar visuel centrale électrique. J'ai pas vu tous les lasers. Ok, Rico ouvert 2500 mètres. Déjà ouvert 1200 mètres. Black ouvert 1400 mètres. C'est moi qui ai gagné. Bah, la prochaine fois, je ferai un plat. Voilà. Pas mal. De raid pour l'ensemble des postes, je vous rappelle qu'il faut couper votre vitesse avant de vous poser au risque de vous fracturer les jambes. Donc, pour couper la vitesse, vous allez vers l'arrière. Antar 8-8. Non, Antar, on a drillé tous les deux.
de Johnson, j'ai des points rouges à côté de l'objectif. De Hunter, aucun contact signalé au sol, proche de l'église, ni dans le campement. Distance de la cible, 60 mètres. On dirait des feux de véhicules. Ouais, de Red, c'est des antennes relais. Attention à tous, prudence maximum, ne vous posez pas sur le complexe, mais en dessous, au niveau des rochers. De Hunter, je me pose juste devant la porte de l'église. Je vois rien dans le complexe. C'est désaffecté en plus. Après le briefing. Mais les briefings. Hunter, je suis arrivé sur site. Les briefings à la noire, on les a déjà vus, hein. Les gros pièges. Bon, je vois rien non plus sur l'usine électrique. De Hunter, on se place dans l'église en couverture. Ok, envoie vos lasers. Ok, Hunter, Rico, vous êtes déjà posé donc. Arrête, Rico, non, je suis encore à 1000 mètres. Bien reçu. Romy, t'es où? Je suis à 3000 mètres sur la centrale électrique. Donc à tous, vous avez un peu de laser qui partent du sol et qui sont à l'objectif. Et un troisième qui est de l'autre côté de l'objectif. Et il y a un point clignotant juste à côté de la lumière aussi. Arrête, tu veux rire, j'ai pas un son là. Normal, faut que tu sois proche du sol. Et on espère juste que personne n'a dû venir dans l'autre camp, hein, parce que sinon, discothèque, c'est fini. Hein. Ok, je vais y poser aussi. J'ai pas compté, mais c'est combien de temps? 8. 8. Il manque 1. Romy qui a ouvert vachement tôt. Il a ouvert à 8000 mètres. Romy, rapport. Diesel. Romy, à la planche de moi, 3 lumières en triangle. Je te vois, Romy. Non, mais il a eu peur, je crois. Tu le vois où là? Là, au point de mon laser. Ouais. Ah oui. Si on veut pas la centrale en mire. Ouais, mais là, il est pas loin là. Spectacle. Romy appuie au nord. Ah oui, il y en a un bas. Romy en cours. Il est ouvert à 3000 mètres aussi. Ouais. Non, il est ouvert à 5000, je crois. Ah ouais, putain. Je vois vos lasers, très bien. Déjà qu'il y a 1200 mètres, je trouvais ça long. Ah non, mais sérieux.
Bah en tout cas, je vous félicite parce que on a pas drillé et vous êtes tous bien comportés pour le halo là. Pour. Bah après 8 ans d'expérience, je peux te dire que des soirées sans préparation à base de halo, ça finit souvent avec un mec au nord de l'île. Voilà. Les 5000 mètres de lâcher de parachute, il y a une raison. Ah ouais? Ah bah oui. S'il avait couvert à 5000 mètres, il serait dans l'eau là avec l'heure actuelle. Ah ouais. Ouais, parce que moi je me souviens un jour j'étais sur un serveur français. C'était la convergence des lasers. Il y a longtemps où les mecs disaient que... non mais les gars faut ouvrir à 300 mètres pas avant. Bah halo c'est saut haute altitude, ouverture basse altitude. Ouais. Et écrasé au sol. Ah mais moi la prochaine fois je ramène le bon endpoint et je fais à la place tu vois. Après ça me tente bien de vous faire un petit peu de navigation sous voile aussi, ça peut être intéressant voir ce qui se promène. La quoi? De la navigation sous voile, la ouverture haute en haute altitude. Non, non, non. GPS, hein. Pardon? Pour trouver le point Pouziou. Pour trouver le point Pouziou, ouais, pardon. T'arrêtes de me viser avec ton comme plein, les qu'on faisait, tu te rappelles? Dites, au lieu de tous regarder le ciel, vous voulez pas couvrir des secteurs? Mais tu t'es pris pour un SF, toi, ou quoi? Ouais, non, mais il a pas tort, Marc. De Hunter, je couvre le secteur est. De Johnson, tu es à l'est aussi. Johnson, de Black, je regarde au sud. Ouais, Hunter, Rico, go. Non. J'ai remis en visu, t'inquiète. Des armes sont au niveau de la puissance. Johnson, atterrissage en sphère à 35. Négatif, Antar, je donnerai le go pour toi. Vous pouvez vous mettre en position, je donnerai le top par radio. Ok, bien pris. Nickel, tu vas bien tomber là. Ok, là, il dit tu récupères Rebelle et vous allez en position. C'est parti, Nickel, Romy. Super, on y va? Allez, c'est parti. Bonne chance à tous, tout le monde! Bonne chance à vous, les snipers, hein. Tout repose sur vous pour l'instant. Ok. Le sniper reporté quand vous avez traité le premier objectif. Affirmatif. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas pris d'arme. Bravo. Ah, bah moi j'en ai pris. Tu fais bien. Ok, donc on a la centrale sur notre gauche, ok? Ouais, ok. Donc la centrale étant le point alpha 11. Donc okay. Il faut monter là-bas. Donc il faut... voilà. Attends, je dis pas de conneries. La cible, elle est au nord-ouest. Nord-ouest. Ah, je vois personne encore. Affirmatif, hein, j'ai personne en visu. On va aller un peu plus loin. Faut regarder la vape et ce qui part de la vape aussi. Johnson, Doran. Johnson. Ouais, on va s'arrêter à mi-pente pour repérer les targets. Bien reçu.
Enfin, j'en vois un sur chaque gros silo là. Trois en ligne derrière les 4x4 armés. Et un autre dans le fond du dispositif au niveau des containers rouges tout au bout là. Affirmatif. Ouais, visuel, ouais. Visuel sur le local électrique qu'on va visiter. Ouais, il est placé le pire possible pour le dispositif actuellement. Bon, on descend, je suis situé en bas. La carte, on a trois bâtiments dont un gros à côté de la VAP et on a après près de l'eau encore d'autres bâtiments. Donc là à mon avis, si je dis pas de conneries, les trois bâtiments qu'on voit devant nous, ce sont ceux qui sont au sud de Alpha 10. Est-ce que jusque là tu me suis? Je te suis. Ok, donc ce qui veut dire que Alpha 10 c'est encore sur la droite derrière la petite colline qui nous fait on a vu passer légèrement à droite, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. On m'entend Romy? Okay. Je compte 9 mecs dans le complexe. 10 à la droite du petit cône armé derrière le conteneur, j'ai une signature de terme. T'as une thermique toi? Non, mes jumelles, oui. Nickel, Favreau, j'ai pas pris de jumelles moi. Ok Romy, je vois le putain de gyrophare qui clignote. Ok, alors, objectif. Et on voit le mec. Je vois un mec sur la droite, c'est bien ça? Tout à fait. Qui est en train de marcher, on est d'accord? Oui. Ok, et où est son chien? Question. Red, tu nous confirmes qu'il y a bien un chien avec le maître chien? Ouais, de Red, c'est confirmé, il y a un maître chien sur place. Ouais, mais il y a son chien avec? Correct. Ah, l'enculé! Ok. Bah. Il est à quelle distance, en tout cas? T'as des jumelles pour prendre la distance ou pas? Non. Ok, bon, je vais mettre la distance. Oh putain, il faut que je change la vision sur celle-là aussi. Ok. Alors. Pour information, le véhicule est en train de miner. Tu vois le véhicule? Oui. Il est à une distance de 177 mètres à une élévation de moins 22. Donc 177, il faut que je mette. À mon avis. Ouais, ouais, règle sur 300 étant donné qu'il y a de l'élévation. Le bâtiment sur la droite est à 183, celui où on voit que le toit est à 166. Ok, de groupe sapeur, 5 que je charge en place. Bah voilà, c'est tout ce que je peux dire pour moi. Bien reçu. Est-ce que, vu que j'ai un FAMAS avec silencieux, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer. Un FAMAS avec silencieux. Un FAMAS. Ah. Arme de poing. Donc je vais avancer, et puis
Je vais essayer de voir où est-ce qu'est le chien. Ouais. Et puis ben, au cas où tu prends tes abacs et tu fais le bonhomme. Ah, écoute, je bloque sur lui. Voilà. Ok. Nickel. Ok, de groupe Reco, on a le maître chien visuel, mais on n'a pas le chien, donc je vais m'avancer avec mon arme de poing silencieuse et Romy garde le maître chien en visu. Silencieux, Reco. Derrière le gyrophare. Pas de visuel sur toi. Ok, aperçu. Je viens de tourner derrière la maison où il devrait te faire face dans quelques secondes maintenant. Ok, je me plante pour pas qu'il me voit. Son chien malade. Restez sur vos gardes et continuez votre mission. Ok, tu prends le shot. Il est pas encore bien placé pour moi, je vais attendre qu'il revienne de derrière la maison. Ou je le prends dans le dos avant qu'il disparaisse derrière. Terminé. Il est couché. Cible à terre, je répète, cible à terre. Ok, je vais prendre possession de la maison. Regardez si le véhicule était... En décalage vers l'ouest. Elle passe devant l'objectif. Pour monter sur Vol. Pardon ? Pour monter sur le point Vol. Ouais, ça aurait pu être rapide. Ensuite. Risqué. Prêté.
La dernière target va se présenter à la porte, j'ai plus visuel sur elle. Ouais, correct, on a visu, il est parti traverser derrière lui. Ok, c'est bien reçu, concentrez-vous sur l'objectif, vite, 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 quelqu'un va souder, je surveille le côté nord. Il faut que quelqu'un reste sur l'entrée. Par contre, pour rejoindre le point de golf, je sais pas toi, mais à mon avis, si on fait une diagonale, on va bien se sentir dans la merde. Commandement à sapeur. Ou alors on se tient directement sur le point 166. Est-ce qu'il y a des nouvelles? Allez, c'est bon, plein est. Bien reçu. Ouais. Un léger nord-est vers la fin. L'alarme est clairement donnée, hein. On entend une alarme sonner. Quelle belle prise de groupe, ça fait. Ok, j'ai la target du côté nord, elle est en train de décaler l'usine du côté nord. Attention, elle va se présenter sur votre droite. Ah, il y a du monde en bas. Il y a du monde en bas? Oui, regardez. Ah oui. Elle se dirige vers l'est actuellement, elle va arriver au niveau du camion de couleur. Le camion que vous visez avec le laser, là. Vous l'avez dans l'axe, dans l'axe. Proco pour autorité. Ok, c'est traité. Traité, c'est bon. Claire. Proco, écoute. Nous avons deux targets sur le point Alpha 10. Deux targets à pied qui sont en train de faire une vérification. Bien reçu, traité. Ok, Dassault, on nous constitue effet, on dégage. Ok, Dassault, en cours d'extraction. Recours, vous traitez, vous dégagez. Ouais, c'est ça, on peut le capter. Attends, j'ai perdu. Groupe Sapeur, vous tenez informé sur les lumières. Élévation moins 20. Ah, mais il bouge trop. La lumière a l'air de provenir du centre électrique. C'est le court-circuit, bien reçu, c'est le court-circuit des charges électriques, feu électrique. Ce qui a tiré? Oui. Okay. Ouais, c'est pas si silencieux que ça, hein, quand même. Non, mais oui. Je les ai perdus. Ok, assaut d'autorité. Derrière les armes. Autorité, l'écoute. Ok, les yeux. Ouais, court-circuit positif, début de destruction du site. De tour, ça a bien reçu, il y a une explosion. On a un nouveau véhicule en approchant vers notre position. C'est reçu, ça peur. Ouais, putain, mais c'est quoi ces. Silencieux de merde là. Le site Alpha 12 est traité, on est en train de dégager. Le site Alpha 11, pardon. Ok, repos, si c'est pas encore fait, vous dégagez. Affirmatif, on dégage. Allez, on dégage, Romain. On les laisse. C'est le double hein, qu'il faut. Ouais, je te l'avais dit. Gros passo, reprenez de l'altitude, privilégiez l'axe nord. Nord-est. Retourne à un autre véhicule en direction de l'est. Reçu de l'assaut, ça doit être Johnson. Johnson, mettons laser. Oui, c'est moi que vous visez, c'est moi. Mettons laser. Ah bah, mets-le. Non, j'aime pas, ça fait Star Wars. Bienvenue dans la réalité, c'est comme ça là. Rendez-vous position golf, chemin que vous voulez. Bien reçu. Sapeur assaut, rendez-vous point 176 pour regroupement et briefing. De groupe Sapeur, on a un duo renforcement fort. Donc bien reçu Sapeur. Vous restez en position, hein. Bien sûr, vous dégagerez après au point 176, une fois que vous aurez traité le véhicule. C'est bon, t'es OP? Allez, vas-y. Okay. Je souffle pas de feu, je mets ça. Ok, bon, ça va? Bon, oui. Autorité de l'assaut. Autorité à l'écoute. Point de briefing oublié, une fois que le terminal est piraté sur l'objectif, demande destruction du site par le SNA de Sako, via commande radio.
c'est reçu. Ok, debout, ça peut rester 55 en approche de la position minée. Le blindé. Ça a l'air bien. Ça m'a clair. Ok, on a fait sauter les charges sur le T55, on dégage. Sans de moi, quoi ? Ok, reçu. Il y a quelque chose. C'est bon, il est relayé. Quoi ? Qu'est-ce qui dérange ? La localisation. Écoute, j'ai l'impression qu'il y a plus de construction que ce qu'il y a sur la carte, c'est pour ça que. Pour moi, le lumineux qu'on voit au gauche du point 176, c'est le point Bravo 15, c'est l'usine. Et pour moi, toutes les constructions sont juste en dessous de nous, tous les bâtiments qu'on voit là, sur la carte. Où il y a le petit point noir posé sur la carte. Ça te semble correct ? Écoute, en théorie, je dirais que le point Bravo 15, on peut pas le voir. Bah, moi, je dirais qu'on voit juste le bout de l'usine. À gauche, sur la pente descendante gauche, là. C'est ça. User joined your channel. Tu vois quelque chose sur les bâtiments, Romy ? De Sam, je vous dis bonne nuit. A plus, Sam. User disconnected from your channel. Fatigué ? T'as l'impression. Ok, alors on va. Là, pour moi, y a rien au niveau des bâtiments devant nous. Hein. Redonne le point objectif, on ne monte plus en haut du point 176, on va à la maison qui est dans le carré 054-156, au sud du point 176. On reçu sapeur ? Reçu 054-157. Allez, si tu veux. 156. Non, 156. Attends, deux secondes, c'est un 35. Reco pour le groupe Asso. Je vais voir arriver là. Asso à l'écoute. On vous voit arriver 4 points laser, vous êtes sur notre flanc droit. Nous sommes à mi-pente près de l'ensemble de bâtiments indiqués sur la carte par un point. Les lasers sont faits sur notre direction. Roger, Vance.
gros sapeur, on a la maison en visuel à 300 mètres, on s'y dirige. Pardon ? Ah bon? Ah ok. Ah, salut les gars. Tu les as encore en visu, nos alliés? S'il te plaît, l'antenne. Pardon ? Essaye de repérer la grande antenne sur laquelle on doit monter tous les deux. Et moi, je la vois pas. Si, elle est sur la droite, tu vois le point lumineux ? Oui. Sur la gauche, pardon, excuse-moi. La gauche, oui. du gros, le point lumineux au niveau de mi-pente de la colline. Agola Solar. Ah oui. C'est bon, tu la vois ? Oui, c'est marqué Agola Solar au pied. Ouais, c'est ça. Action, hein. Allez, on tire. Attends, on va juste faire un petit point check pour eux, là. De reco pour autorité. Autorité, écoute. Ok, donc on a visu sur l'usine, on peut déjà donner peut-être un premier point sur les effectifs. Ouais, négatif, dépêchez-vous d'aller sur Golf, on aura la même vie que vous dans quelques secondes. Ok, reçu, on part pour Golf. Ok, donc... Passons par la gauche. Hein. Éclairez-vous sur tout le chemin pour aller à Golf en sécurité. Une fois que vous serez au nord, ça nous éclairera le nord, nous on aura le sud. J'aurais dû prendre un chargeur de vidéo. Ah,
pour t'amuser. Autorité. Quoi, écoute. On a une multitude de portes à ouvrir et je sais pas si un jour on arrivera à rentrer. Tout ça, ouais. Bon, allez, bien reçu, vous allez y arriver. Je sais pas qui c'est qui était l'architecte de ce bâtiment, mais c'est un abruti.
Reste zen. Ah, il est impossible pour nous de rentrer. Hein. Ah, deux secondes, j'ai un téléphone. Déjà sur nous. Groupe Cypher, cherchez les échelles. Ouais, c'est bon, Romy, j'ai trouvé. C'est bon, je suis rentré aussi, je suis remis. Visuel sur vous, Rocco. Nous avons un groupe de 5 mecs, à nous, potes, qui vont faire une entrée dans le complexe par l'ouest. Votre objectif, Rocco, sera de les couvrir, donc de rafler toutes les têtes que vous avez sur les toits et toutes les têtes que vous voyez passer. Jusqu'à nouvel ordre, vous n'utilisez pas le sniper explosif. Il est réservé aux situations d'urgence, donc s'il y a un mec qui menace directement le groupe et que vous voyez qu'il va les claquer, vous le dégommez, et au renfort. J'ai sur la route principale de l'île, là où il y a marqué infanterie, où l'infanterie a été signalée, j'ai une multitude de mecs. Si ces mecs se déplacent en groupe et viennent en renfort de Bravo, ça sera à vous de les taper. Monsieur, on n'est pas encore en haut. Hein. Oui, c'est reçu, mais le groupe n'est pas non plus encore en place. Sur les spots parce qu'ils débutent vachement la gueule là. Pas pour l'instant, quand l'assaut sera donné. Là on a aucune visibilité. Bien reçu, vous attendez donc le début de l'assaut. Le groupe assaut sera au début en contrebas de l'entrée, il sera complètement à couvert, il sera pas en danger, vous aurez le temps de prêter vos cibles. Bon, allez, donne-moi une estimation. Vous évitez de les alerter trop tôt. Distance. Sur les premiers mecs dans la cour. Dans la cour. Dans la cour, sur le véhicule qui est au milieu. Bon, je vois bien de quel spot vous parlez. Il suffit d'éteindre vos IVN, hein. Oui, comme ça, on voit plus rien de l'autre côté. Bah, vous en foutez, les targets sont dans la lumière. Un négatif, ils sont en charge des renforts aussi. Bien sûr, mais les renforts, j'alerterai, je suis au thermique, vous inquiétez pas, je vous tiens informé de l'évolution des renforts. La grille est à 290. Tu vois pas toute la zone, ma poule, hein. Souviens-toi. Non, mais d'accord, mais entre des snipers blind qui peuvent rien tirer et des snipers qui tirent les mecs dans la lumière, ouais, j'ai choisi. Ils vont d'abord tirer la lumière, ensuite ils déglinguent la lumière et ensuite ils traquent le reste. On va pouvoir s'en occuper de la lumière une fois qu'on sera sur place. Moi je vais te dire une fois que l'assaut a commencé. Je passe en ligne. Silencieux. Attends. Ok, donc l'assaut vous est. Est-ce que le silencieux du SRF2 pourrait être retiré une fois l'assaut commencé? Affirmatif. Ok, groupe
d'assaut, vous avez un mec dans l'entrée, un mec sur la gauche de l'entrée à l'intérieur, 50 mètres à gauche, et un mec le long de la route à droite, 100 mètres après l'entrée. Et un autre mec dans l'axe de l'entrée qui est en train d'arriver, ça peut peut-être être le moment de taper. Axe gauche. Le groupe d'assaut prêt à taper le premier garde à l'entrée. Ok, bien. Deuxième garde à l'arrière. C'est parti, feu, feu, feu. Négatif. Les spots, les spots. Les spots. Ok, vous avez deux gardes prêtés. Suite gauche est en alerte, suite droite aussi. Feu volonté pour le groupe sniper. Vas-y putain, je pète les couilles ces spots là. C'est chiant. Je vais essayer de descendre au niveau du dessous, Romy. Le mec à gauche va s'exposer. Négatif, il est parti entièrement à gauche. Perte de visuel. Romy, je vais descendre au niveau du dessous, je vais voir ce que ça donne. Ah, vas-y. Allumez vos lasers s'il vous plaît. Ok, le mec à gauche est traité. Reste le mec à droite. Il est sur la route, il s'éloigne. Et avec Alang, si tu te dépêches, tu peux l'avoir. Il a fait demi-tour, attention, il te regarde dans tes directions. Blake avec moi à gauche, les autres vous pénétrez l'enceinte. Il est couché. Ouais, pas de visuel. Il a peut-être été traité par le groupe pénètre l'enceinte. Contact jusqu'au premier gros bâtiment, deux étages. Ah, négatif, l'étage inférieur n'est pas exploitable. Ok, l'infanterie s'est mis en branle. J'ai un pick-up armé qui est en train d'arriver au niveau de la route principale sur la... Direction nord, le groupe sniper explosif ça va être à toi. Et j'ai une multitude de connards qui est en train de naviguer n'importe comment dans la plaine. Donc votre temps est compté, dépêchez-vous, dépêchez-vous. César, on continue l'effort sur l'objectif. La ferme continue. Deuxième pick-up repéré. C'est l'azimut. Azimut sud-sud-est, très loin, hein. Ils sont à plus d'un kilomètre pour l'instant. Déjà, il y a un mec qui arrive par 21h. Vous avez un mec en avance sur la route, à l'entrée de du complexe. À droite, donc. Putain, on peut pas niquer les lumières rouges. Ok, alors je vous annonce. Dans 5 minutes, quoi qu'il arrive, faut que vous ayez dégagé. Il y a à peu près 60 mecs qui arrivent sur vous là. On dépêche. On est sur la gauche. Ouais, faut compter 5 minutes pour pirater le logiciel. Hein. Ah bah alors, ça sera 5 minutes plus 30 secondes. Dépêchez-vous ! Et sérieusement, ça me pète les billes. Alors, on a le sniper explosif qui va les tirer à distance, mais dépêchez-vous quand même, parce que ça va mourir. Mais oui, mais même en. Ok, les deux pick-up vont arriver sur la route au niveau du point marqué T55. Ils vont arriver par cette vape là. Avec un peu de bol, ils vont se gaufrer entre eux là. Ils sont Q et Q. Putain, les saloperies, il y en a partout. Hein. Ok, j'ai les deux tacticals en visu. Feu à volonté, si tu peux traiter les deux en même temps. Ouais. En tard, Rico, je vous entends pas, portez de voix. On est au niveau du mur à droite. Ok, je rentre. Vinay, il vous reste 9 targets dans l'usine. Ne sécurisez que jusqu'au niveau de l'objectif, n'allez pas plus loin. Les chargeurs sont stoppés, je les vois plus. Hein. Germatique, tactical stoppé, je te préviens. Ok, ils ont démarré, il y en a un troisième qui arrive. En bas droite du bâtiment, Blake. Ok, je suis au bout du bâtiment à gauche.
reste deux contacts hostiles sur la route, tout au fond du complexe à droite. Sur nous, groupe de gauche. C'est quoi cette super lumière là qui vient d'arriver? Position de la lumière? Je dirais que c'est la lune qui vient tout pile de nous. Contact dans le bâtiment. Négatif, on a des fusées éclairantes. Sud-ouest. Ok, désolé, je t'ai dégagé ton verre. Sniper, il y a un tactical qui arrive par la plaine au sud du point Bravo. Il est dans l'alerte, il est au milieu de toute l'infanterie qui arrive. Bon les gars, il va falloir un dispositif groupe assaut. Il faut que vous me verrouillez à tout prix les entrées du complexe. Notamment l'entrée principale qui est en face de l'objectif. Désolé, je t'ai dégagé le mec au balcon. Déjà, c'est bien pris. On a contourné complètement sur la gauche. De Hantar, on va pénétrer dans le bâtiment par la droite, par le sud. Sniper, là où t'as tiré ton premier coup contre le tactico, il y a une colonne de mecs. Il faudrait que tu mettes un obus explosif là-dedans. Voilà. Monte. Premier tactical se présente au niveau de l'est du complexe. Il va se présenter devant l'entrée, attention. Préparez-vous entrée principale. Pas bien visu. C'est arrêté. Rien, putain, bordel de merde. Essaye de faire le tour par le côté droit. Il n'y a rien sur le côté droit, je peux pas viser. Autorité de groupe assaut pour contact. Autorité d'écoute. Ouais, groupe assaut se fait lourdement engagé par un tactical dans le bâtiment cible. Reçu, le tactical est traité. Derrière toi. À l'entrée. C'est BMP repéré dans la plaine au sud. Ça y est déjà là. Sud du point Bravo, à 200 mètres du point Bravo. Entrons dans le bâtiment. Cible prioritaire pour Rocco. Deux cibles traitées à l'intérieur du bâtiment, dès que je t'attends à la porte. Vous attendez que le BMP soit arrêté pour tirer. C'est-à-dire qu'il est déjà là. Oui, il est là. Autorité de groupe assaut pour contact. Autorité d'écoute. Voilà, deux ASO 2, bingo sur dispositif informatique en mesure de pirater. Bien reçu, vous attendez ma confirmation écrite pour commencer. Il nous a bien vu. Vous pouvez répéter de la SO2? Mais comment ça tire à deux? Go, go, go! Bon alors c'est une catastrophe, je pense qu'on a perdu les snipers. Sniper pour autorité, pareil. Sniper pour autorité, parlez. Ok, assaut pour autorité, parlez. Vous verrouillez tous le plus serré possible dans le bâtiment objectif. Vous évacuez tout le reste du complexe, vous verrouillez dans le bâtiment objectif. Ok, tel changement du programme. Rechaussée du bâtiment clear. On entend des gros véhicules. De assaut 2, blindé BMP présent au sud du bâtiment cible. Je vais pas vous niquer le moral, mais vous êtes dans la merde. Ok, 20%. 40%. Vous êtes déjà à 40%? 60% assaut, groupe assaut, je répète, seule extraction. Ok, cible, rez-de-chaussée, porte nord. Non, rez-de-chaussée, porte nord. Foutez le camp par le nord, tout de suite. Vous dégagez dans la forêt, vous courez aussi vite. 80%. Vous ne pouvez plus pouvoir respirer. Négatif, vous avez reçu 60% de programme, c'est pas la fin du téléchargement.
bien reçu, vous avez reçu. Vous êtes à 100%, vous vous dégagez. Groupe assaut, vous avez reçu. Sélection possible, rez-de-chaussée, porte nord. Rez-de-chaussée, porte nord, rez-de-chaussée, porte nord. Ok, vous dégagez, porte nord, porte nord, porte nord. Go, 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 go. Dégagez, dégagez. Mais attends, mais c'est pas fini. Négatif pour le dégagement, on a fait. Mais j'ai dit 100%, il m'a dit le mot de passe piraté. Ouais, ouais, j'ai piraté le mot de passe pour entrer dans le PC. Oh. Compilation des informations 20%. Ok, on va rester dans le bâtiment et vous allez me transmettre les informations par radio, je les ramènerai à la base. J'entends des mouvements du BN du tank. Assaut 1, 2, assaut 2, contact. Assaut 1, on est juste en bas, je vous écoute. Ok, reçu, 2, assaut 2, on est en... je couvre la cage d'escalier, t'es en mesure de la protéger? Oui, bien. BNP passe côté est du bâtiment. Il remonte le nord. Copier de l'assaut 2, va falloir faire un point impact pour relever les la route quoi. Ouais, négatif, bon moment. Avoco est perdu. Alors on dégage par le nord, on peut envoyer un dino, mais le reste qui se barre. 2 d'autorité pour impact. Autorité, j'écoute. Ouais, je vous rappelle que vous avez à disposition un tir de missile du SNA une fois le piratage effectué sur ce site. Ah bah transmettez les informations, je vais tout péter. Hein. Mais le temps de dégager. Ah négatif. Ah oui, je vais essayer bien sûr. Mais vous n'avez pas le budget, je vous assure que vous allez galérer pour dégager. C'est parti. Tir provenant du sud. Tir provenant du sud, infanterie. Vous avez les premières unités d'infanterie qui ont pénétré dans le complexe par le sud, effectivement. Et le BMP qui vadrouille, qui vous interdit maintenant la sortie nord. Je suis là, Hontar, t'inquiète. Bah, pardon, Loki. Bah, moi, c'est revenu. De Black, je m'occupe de Death. Fin du
fin du téléchargement de tous les fichiers. Bien reçu, téléchargement accompli donc. Dorette, j'ai deux blessés en balle. De assaut. Autorité à l'écoute. Ouais, sauf erreur de ma part, information compilée, on se repositionne dans le bâtiment pour dégager. Bien reçu. De groupe d'assaut, autorité devant de position du BMP. BMP au pied de l'antenne de l'ID. Répète la transition. BMP au pied. Bien pris, on va dégager au sud. Que non, tu vas pas dégager au sud. Je t'assure que tu veux dégager du côté du BMP. Au sud, il y a 60 mecs qui nous attendent à la sortie. Est-ce que vers l'ouest, il y a du monde, Bledson? Ouest, c'est une possibilité. Si vous arrivez à dégager du bâtiment, mais faut savoir qu'à la sortie du bâtiment, même collé au bâtiment, j'ai déjà 4 mecs là, en train de brouiller. Il y a des mecs au nord, il y a des mecs direct partout. Autour du bâtiment, il y a des mecs. Donc, si vous êtes à l'intérieur, c'est pas rien. Est-ce que vous avez une cave? Vas-y, avance, t'arrêtes pas. Votre bâtiment est entièrement encerclé par. J'avais compté avant, il y avait 10 mecs à l'intérieur, d'ailleurs 47 mecs en tout. Ouvre la porte. Il y a des grenades là. Moi, il m'a eu. À travers le mur. Et j'ai mis une smoke. Ça nous aide pas. C'est pas une bonne idée. Ah putain. C'est pas l'idée du siècle. Si trap les mecs. Dorade, je suis fait. Ah les fumis, c'est une mauvaise idée hein. Putain, y'a un mec qui vient de passer la porte. Hein. Couloir partout. Merci mec. Tu vois encore quelque chose ou pas? Je vois plus rien. Sauvez-moi. Putain. T'es où? À l'entrée, la porte d'entrée. Au rez-de-chaussée, au niveau des escaliers, y'a du monde, il faut fermer les portes. Alors, ferme les portes. Avance bien. Y'a un mec qui va passer. Putain, mec, qu'est-ce que je t'ai dit là? Tiens, avance un peu, Black. Encore un autre abattu! Autorité, Broken Arrow, envoyez l'ICBM! Broken Arrow! Répétez. Envoyez l'ICBM. Bien reçu. Envoyez le missile. Oh putain. Vous inquiétez pas, les secours arrivent. Ouais, putain. Tenez bon. Ouais. On s'est fait défoncer, on s'est fait fister violemment. Putain. Mission SF, mais cool. Des légères douleurs à la bouche, c'est beau quand même, volant, c'est peut-être avant. Oui. Je ne dis pas que le point de golf est un point de strike. Mais si. Tu verras sur la boue, tu le trouves plus haut. T'as des putains de lumières rouges dans la gueule. C'est parce que t'as pas de talent. Ouais, ça j'avoue, les lumières rouges sont un peu chiantes, mais bon, j'ai drillé, j'y arrivais, donc t'as pas de raison. Mais c'est vrai que les. C'est BM ? Il arrive ou pas ? Affirmatif, il s'est BM demandé. Hein.
J'ai un Teletubbies avec un RPK qui est en train de marcher sur le Cora Black, je crois, ou... Ouais, mais la montagne de Cora, c'est quoi, là. On aurait pu... Il y en a un, il est à l'entrée, là. On aurait pu tenir fortifié dans le couloir qui est à côté. Ouais, mais à l'étage. Ouais. Bon, l'ICBM... Ouais, bah laisse tout le temps de venir, l'ICBM. Tu vas mourir. Ah, c'est pas faute d'avoir eu envie de venir te chercher. J'ai passé tous les gars, et là, les 5 minutes de... Donc, le temps qui manquait aux escaliers, t'es déjà mort 3 fois. Reçu, tir immédiat, dégagé de la zone. Alors les mecs Oh putain. Attendez, c'est pas comme ça, tiens. Bon. C'est l'armée en si, si, c'est moi, j'ai demandé, j'ai dit... Ouvrez la bouche. La mission est foutue. Ouvrez la bouche. En plus, j'ai la victoire sur le cake de Teletubbies. Ouvrez bien la bouche. Hein. Sonor. Répète. Sonor, compile vite.
couché. Ouais, correct, il se demise la zone avant qu'on se fasse. Bon, au moins on sait ce qui nous entoure pour faire des choses. Ah, c'est bien, mais elle est bien la mission, faudra leur jouer ça, hein. En changeant les rôles. Minutes 10, 4 minutes, 5 minutes après derrière, à attendre. C'est sûr que il y a un projectile même. Ah, peut-être qu'il est passé, je l'ai pas entendu, je sais pas. Il y a toujours des télétopines au niveau du véhicule qui est incendié. J'ai vu des mecs moi aussi. Ça c'est gros. Non, le badaout c'est 4 minutes 52, putain, prends pour moi. 4 minutes et je suis OK. Bah, moi je vais décoller, copain. Bah, attends 4 bah, minutes. Moi j'attends. T'as encore sous-marin, Black. Hein? T'as encore sous-marin. Ah non, je vais pas me faire sodomiser, bordel. Y'a un Talitobis qui me rampe dessus. Sauf que là, y'a Johnson qui est parti vers le sous-marin et il va partir sans vous. Il va dire, ah, mais non, il y a pas de soucis. Attention, troisième tir. Troisième impact. Je reviens. Heureusement, j'étais déjà mère. Quelque part. Putain, je suis bloqué sur transmission. Par contre, quand vous avez apparu les gars, y a pas d'UDM. C'est moche. Pas grave, ça sert à rien. Ça, c'est moche. La lampe torche est efficace. Vous avez vu mon chat ou pas? Ah, à planter. Oh merde. Aucun message reçu depuis 15 secondes. Ah bah c'est... Bah il y a encore une autre frappe. Et nous aussi on allait y arriver. Pas grave, ce sera pour une prochaine. Donc la signature d'action pour le groupe d'assaut, c'est en attente de l'extinction de la lumière sur le plan rond. On attend que l'infanterie dégage et on y va. Donc objectif pour circuit, on est déjà coupé. On n'attend pas, c'est pour circuit et on dégage. Donc nous on y va à 4. On y allait à 3, moi je vais rester sur le point haut rendez-vous en observation et surtout en liaison radio pour faire la jonction. Enfin, quand on parle F12 et F10, je ne suis pas toujours besoin de se parler, mais une montagne entre les deux, ça peut faire chier, donc je serai à la jonction radio entre les deux. Et puis voilà, l'observateur de loin pour vous dire, il y a un T80 qui arrive, ne vous inquiétez pas. Et puis Bali. Donc déjà, premier objectif et grande victoire, c'est d'arriver à revoir tout le monde sur point rendez-vous dans 10 minutes. Enfin, dans 10 minutes, tant plus à l'eau que 10 minutes. Et puis on se retrouve là-bas et on redonne le feu vert de toute l'opération au point rendez-vous. Ok, c'est quoi là? C'est faux, on touche pas. Ok, go.
Donc, bon, allons, c'est niveau là-bas. Ouais. D'ailleurs, j'ai plus vu distance, ma merde. Ouais. C'est vrai. C'est quoi, ils achètent de mes côtés. Moi, je dois être à 3 km, moi. 1, coupure. Confirmé, coupure. Coupure confirmée, c'est bon. De bon propos, vous avez un 4 qui fait mouvement sur votre position. Et un tactical qui s'est bourré à la sortie de la. De l'usine, les soldats ont débarqué. Vous avez un tactical non armé qui arrive. De Pax sur la route. Côté droit. Coupure 048. Affirmatif, groupe sniper vous dégagez à 58. Remis de moins visible pour les tacticaux, quelque chose. Négatif, j'ai encore rien du tout. Ça monte sur relief, je suis pas à droite. Par contre, dépêche-toi s'il te plaît. Ça va faire un truc les silos, hein. Dis l'audio, il est là. Tactico, l'arrivée de sortie. Putain, le bâtard, il est parti. J'ai pas la distance. Il y a un groupe assaut d'autorité prêt à faire pas des trucs. Merde. On va lutter. Ah oui. Non, mais, d'après le briefing, j'avais compris qu'il allait rester là, moi. Ouais, non, mais là, il va beaucoup trop vite, il n'a pas décéléré une seule fois. Ouais, là, c'est... ouais. Bon. Il remet la compasse au rapport de destruction négative sur Tactical. Le Tactical ne s'est pas arrêté sur zone, il a continué sa route à pleine vitesse. Terminé. Bien reçu, groupe Reco, c'est pas grave, vous abandonnez la target à 58, vous dégagez. Groupe Sniper, bien reçu, terminé. Il vous reste une target juste derrière le générateur objectif qui est en déplacement vers l'entrée que vous allez prendre et non menaçant pour le moment. Une autre target à l'angle droit, sud, nord, nord, noir, à l'angle nord. Le nord, le sud. Non menaçant également.